mon film préféré, c'est les Griffes de la nuit. Ça a été un choc pour moi, ce film. J'ai vu quand j'avais 8 ans. Freddy, du coup, a vraiment fait partie de ma vie. J'avoue, je parlais à Freddy tous les soirs. Moi, c'est vraiment mon film culte. J'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Maintenant, il me fait plus rire que peur, mais j'ai trop d'amour pour ce film, quoi. J'ai presque un rapport amoureux avec Freddy, quoi. Freddy a déclenché chez moi une vraie passion pour le film de genre. Donc voilà, j'ai toute une collection de films à la maison et j'adore ça, j'aime le film d'horreur. Moi, je suis arrivée un peu à la dernière minute sur le projet et j'aurais voulu être encore plus physique que ça. Donc maintenant, j'ai envie carrément de passer à des films d'action avec genre 6 mois de prépa, entraînement dans les camps militaires. Enfin, j'aimerais bien un jour m'attaquer à un truc qui me demandera une rigueur et une discipline de militaire. On y va. Allez. Ah. L'anecdote cannoise la plus inintéressante. L'anecdote la plus inintéressante de Cannes, c'est que, vu de l'extérieur, la vérité, c'est que les gens vous voient et tout a l'air comme ça, uniquement fait de fêtes, de paillettes, de trucs comme ça. Mais en fait, tu fais que bosser, quoi. Et c'est vrai que le soir, t'es là et tu dis, bon, allez, je suis à Cannes, je vais en profiter, je vais faire la fête, sauf que t'en peux plus. Et l'anecdote la plus inintéressante, c'est que j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, j'ai boudé les talons aujourd'hui. Voilà, le plus inintéressant à savoir de Cannes, c'est que quand on est une femme, ça fait mal aux pieds. Et vraiment. Et on a des petites gueules de bois aussi.